mesdames et messieurs, il est là. Il est là, il vous a manqué. Tout à fait. Mais il est là. Il a l'art de chanter, hein, de faire chanter. Il nous a aussi un peu manqué par ici, il faut avouer. Corélias. Bonjour. You're welcome. I'm welcome also. Ah, dis donc. On va s'arrêter là d'abord. Alors, vous êtes revenu pour nous égayer ce matin. Bien sûr. Oui. Ouais, notre métier n'est pas du tout facile. Hein. Tout à fait. C'est pas comparé avec tous les métiers qui existent. N'est-ce pas? Parce que c'est... Lequel des métiers? Enseignant ou humoriste? Humoriste. D'accord. Humoriste, bien sûr. Ce n'est pas du tout facile. Parce que chez nous, quand tu fais mal, on te demande de reprendre. Uh-huh. On dit couper, on reprend. Oui. On suppose que c'est en classe que le maître a mal enseigné. Vous voyez, le maître était en train de dispenser son cours. Et là, quelque chose qui s'est mal passé. Est-ce que comme les élèves peuvent dire « couper » On reprend. Jamais. Pas du tout. On ne peut pas dire ça. Non. Supposons que c'est le président de la République. Oui. Je ne parle pas du président du Bénin qui fait un bon travail. D'accord. Je parle d'un président qui est très très loin d'ici. D'accord. Il fait mal. Les citoyens se lèvent et disent « couper ». Oui. On reprend. Est-ce que c'est possible? Pas du tout. Nous allons encore évoluer davantage. Mm-hmm. Les femmes qui travaillent dans la nuit, les jeunes dames bien rondes et qui travaillent dans la nuit noire. Il faut qu'elles travaillent. Vous savez bien de quoi je parle. Je suppose qu'elles sont en exercice de leur fonction, dans une indépendance totale. Mais malgré cela, elles ne se sont pas données comme cela se doit. Est-ce que celui qui est juste à côté d'elles peut dire « couper » Non, c'est pas sûr. On reprend. Bon, franchement, jusque-là, là, je ne vois pas encore là où il va avec couper. Parce que, en fait, nous, notre métier, c'est assez c'est compliqué. J'étais en un tournage dans la semaine. Et là, les Blancs qui sont venus, ils ont dit Titanic version béninoise. Ah, ça? Ils ont dit qu'il faut qu'on reproduise parce que les Africains ont beaucoup aimé ce film, la Titanic. Oui, oui. Mais on n'a pas une version béninoise. Donc, il faut franchement qu'on puisse le faire. Et vous faites partie des acteurs sélectionnés? Moi, je suis parmi les figurants. Oui. Donc, ils ont choisi un acteur. Les acteurs principaux, il avait Jacques et Rose. Jacques. Ici, on l'a appelé Jackie. Uh-huh. Rose, on l'a appelé Orozu. Donc, d'abord, avant de commencer, on a invité un artiste qui devrait composer une nouvelle chanson, My Heart Is Go On, de Céline Dion. Renouvelé. Donc, elle a pris le micro, elle a dit test. D'abord, moi, je me suis retenu. J'ai regardé la dame, elle a commencé par dire. Nwe jadi jogbe manya egundanu mi uli bonu mi de mi keklen mi ma jafla o mwayi o nya elo no yore do jaki Asi fait ton nom yo rozu ye ni wanu ye de ye kumbabo nan jo ye de do ama ovi ko be me fi si kono pa chami mi kmo beto jonjo jawe ye do agbeta oyoji badan agbo le a On a dit c'est bon, ils ont enregistré. Maintenant, voici la scène où Jacques tombe doit... Non, pas tombe, lorsque il était sur le point même de mourir. Ah. Vous voyez, dans le vrai film là, oui, oui. Ils étaient penchés sur quelque chose là. Voilà. Et Jacques a parlé jusqu'à à un niveau donné, bon, la vie a eu raison de lui. Et il est parti. On a, c'est à la place du Togme là, on a tourné ça. On a mis notre Jackie avec Orozu. Sur l'eau. On a commencé. On dit... Et Rose dit, Oh Jackie, l'on a donné. Ah, donne mes toilettes. Et dit, que clé mot, l'on a coupé un orme. En quoi donc? À ma secoune. Et Jacques fait comme ça. Quelqu'un, tu vois, on a coupé. À Joey de Bonan, j'ai réussi à péter. Et Rose, et les filles avec BDA. Et c'est là qu'on a fait. Couper. On reprend. D'accord.
Je vois maintenant. Donc, couper, on ce reprend. C'est pas facile. Et c'est pas fini, ils ont changé d'acteur, c'est ça? Ils sont en train de vouloir me proposer. Ils sont en train de vouloir me proposer. Et vous avez accepté, non? J'accepte. Moi, j'accepte. Mais je vais jouer une nouvelle version de Titanic. Ça va être gigantesque. N'est-ce pas? Bien sûr. Merci, Corélias. Merci à vous. Je suis là. Vous êtes dites là. Dites-nous. Oui, vous savez, il y a quelques mois, j'étais parti me faire former. En quoi? En bastonnage. Aïe! Oui, enfin. Attendez, en bastonnade ou bien bastonnage? En bastonnade. En fait, à la fin, on bastonne. Ah, en tout cas. C'est l'objectif. C'est compliqué. C'est moi qui. On vous bastonne. Non, on ne me bastonne pas. Mais c'est moi qui bastonne. En fait, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, ils ont partagé ça sur les réseaux sociaux, l'affiche. Ils ont dit « Centre national de bastonnage ». Ah, ça? Et je suis parti, ils ont dit « Mais vous savez, nous, les artistes, nous sortons, c'est souvent dans la nuit que nous travaillons. Tu rentres à la maison vers 2h du matin. » Bon, il a souvent des malfrats qui frappent tout ça. Donc, il faut se former, se forger. Donc, je suis parti, je me suis inscrit. Ils m'ont bien formé. D'abord, ils m'ont appris la position du chacal. Quand tu vois la personne qui vient de ton côté gauche, il faut adopter la position du chacal. Quand il s'approche de toi, tu mets tes deux mains là, tes deux doigts là dans ses narines et tu soulèves comme ça, tu jettes pas derrière. C'est trop facile ça. Donc j'ai expérimenté tout ça au centre, on m'a bien formé, on m'a donné des astuces qu'il faut, des rudiments qu'il faut. J'ai été correctement formé. Donc ils m'ont donné une attestation signée. Et en même temps, je suis passé par la mairie, j'ai légalisé ça et je tenais en main comme ça. Arrivé dans mon quartier, je vois le Roberto. Roberto, il est un peu costaud. Roberto reste sous l'arbre, il dit « Corélias, viens m'acheter de la cigarette. » Et je lui ai dit « Mais tu es fou, tu es con, c'est à ton père, à ta grand-mère que tu commandes. » Roberto a dit « Répète ce que tu veux dire. » Et j'ai dit, tu es con, c'est à ton père et à ta grand-mère que tu viens de dire ça. Parce que tu faisais confiance en ta formation. Vous savez, parfois là, on croit que 3 secondes, ça passe. En 3 secondes, j'ai reçu 3 paires de gifles. Lorsqu'il m'a donné la toute première. 3 paires de gifles en 3 secondes. En 3 secondes. Lorsque j'ai reçu la toute première. Ça m'a fait rappel mémoire. Je me suis rappelé qu'il y a de cela 10 ans environ, Annick Ballet présentait le journal Palais à l'OFTB. J'ai vu les images qui se passaient devant moi. C'est des images. Ça vous a rappelé qu'elle présentait le journal Palais. J'ai vu cette l'image mémoire, qui est passée par. Cette mémoire-là, ou bien c'est le journal télévisé. Journal Palais. Elle parle dans le journal, oui ou non. Juste après ça. Deuxième paire de chiffres. Oui. J'ai vu Béanzin assis sur son trône. Ah là, vous c'était êtes allé loin. Blanc noir. Troisième paire de chiffres. J'ai vu que mon incisive, il a une incisive qui est ici là, c'est tombé. Oui. Il a 2 molaires qui sont aussi tombés. Là, je les ai vus par terre et difficilement j'ai pu ramasser. Oh là là. J'ai pris la clé des champs. Avant de venir maintenant ici sur l'émission, je vois Roberto qui me dit. Je vais m'acheter une cigarette. Je dis oui, patron. Nous sommes dans un pays de paix. Il faut que la paix règne en toutes choses. Obligatoirement. Merci c'est mieux beaucoup. Pour vous. Hein, c'est mieux pour vous. Et vous avez pris la bonne option maintenant. C'est mieux comme pour ça, moi. Vous ne recevrez plus en 3 secondes 3 paires de gifles. Tout ça à fait 6. Hein. En tout cas. Pas. Donc, c'est beaucoup. Je n'aimerais pas être à votre place.